Ah, mon daf. Ah là là là. Ah, je le revois comme si c'était hier. Tout un poème. Je pourrais en parler pendant des heures. Tant de machisme et de misogynie concentrés dans un seul homme. Le tout teinté d'humour gaulois et de vulgarité. À ce moment-là, j'ai jamais vu ça. Tous les jours, il trouvait un truc pour me rabaisser et me faire sentir ma triste condition de femme. Ah non, 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 Catherine, non, 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 là, ça va pas du tout. Hein. Qu'est-ce qui vous a pris de me contredire comme ça en réunion? Vous avez vos règles ou quoi? Ah putain, les bonnes femmes, les bonnes femmes. Toujours la même chose. Hein. Une semaine par mois, elles sont bonnes à rien. Véridique. Non, non, mais il y a des hommes comme ça. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, avant 40 ans, c'est les règles. Après, c'est la ménopause. De toute façon, quoi qu'on fasse, c'est hormonal. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'en ai bavé avec lui. Et ça a commencé à la minute où j'ai pris mes fonctions. Bon, Catherine, asseyez-vous. Comme vous pourrez le constater en travaillant avec moi, je suis quelqu'un de très direct. J'ai pas l'habitude de prendre des gants dans le boulot, c'est une perte de temps inutile. Alors, je n'irai pas par quatre chemins. Vous êtes plutôt pas mal. Et c'est en grande partie grâce à ça que vous avez eu le poste. Bon, alors, je sais pas si vous êtes efficace, mais au moins vous êtes décorative. C'est déjà un bon point. Vous êtes marié? Oui. Ah, 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 ah. Un point de moins, alors. et attention, Catherine, que les choses soient bien claires entre nous. Pas de bébé. En tout cas, pas dans l'immédiat. Hein. Bon, alors, si ça vous démange encore et que vous n'avez pas dépassé la date de péremption... bon, on pourra en parler, disons, dans 6 ou 7 ans. Eh ben voilà une bonne chose de faite, nous sommes d'accord, le chapitre est clos, donc des questions? Eh ben alors au boulot, et que ça saute! Très sympa, hein? Comme première prise de contact